Yo tout le monde, c'est pas la Russe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo opening, pas sur mon compte, sur le compte d'un abonné. Donc on va lui ouvrir quelques petits cristaux. Donc ça va être un opening, comme vous avez pu le voir sur le titre, 100% acte 8.1. Donc le nouvel acte qui est sorti, donc le nouveau chapitre aussi, donc il l'a fait à 100%. Donc pendant l'acte 7, j'ai fait la plupart de ses openings qu'il avait fait à 100%. Et ben on se retrouve pour l'acte 8 cette fois-ci. Donc c'est un peu un rendez-vous à chaque chapitre. Je sais pas s'il va faire la même chose encore pour le chapitre 2. Mais en tout cas, on se retrouve pour l'opening. Donc je vais montrer aussi le compte avant d'ouvrir les cristaux. Donc le compte, c'est un très très beau compte, hein, je trouve. Donc Circuit, il y a Egon et c'est tout, je pense. Je pense qu'il y a seulement Egon en Circuit. Parce qu'il y en a qui ont un peu moins d'indices, justement. Donc je suis en train de regarder. Donc Colossus, est-ce qu'il est 5R4 6R4, pardon, non. Donc je pense qu'il y a seulement Egon qui est 6R4. Est-ce que j'ai mal vu par rapport à Kitty? Ok, non, il a juste un seul TCR4. Donc, avec l'opening du 100%, il va pouvoir monter un deuxième TCR4. Donc, hâte de voir ça. Niveau Tech6B, T3A, je pense qu'il en a assez pour monter un autre. Oui, il a 3 T6B et 3 T3A, donc il peut en monter un deuxième. Et puis, troisième avec la gemme de 6R4, donc il peut devenir parangon s'il veut. Donc, on va lui ouvrir tout ça. Donc, on va commencer avec la gemme de 6R3, si je me souviens bien. Donc, oui, par l'ordre, il m'avait dit, voilà, la gemme 6R3. Donc, la gemme 6R3 qui est où? Elle est où la gemme 6R3? Elle est là. Ok, donc j'ai mal vu. C'est parti, on va ouvrir ça. Donc je sais pas quelle classe il veut. Mais en tout cas, en espérant lui choper du bon. Mutant. Mutant, c'est une très très bonne classe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à monter Est-ce qu'il a quelque chose à monter en 6R3? Je ne sais pas, donc on va aller voir ça. Hop, 6 étoiles. Et on voit ça. Mutant. Et donc, il y a peut-être Archangel, je pense, qui est 6R2. Non, il est 6R3. Ouais, peut-être Magneto, Tornade, Namor, Domino, ouais. Donc, à lui de choisir. Donc c'est à partir de Magneto, je pense, qu'ils sont 6R2 et moins. Bon, il y a aussi Malicia, mais je pense pas qu'il va... Malicia R3, bah ça se peut aussi, hein, mais je ne pense pas, très franchement. Donc on va passer à la gemme 6R4. Donc, ah bah il me la met directement. Donc la gemme 6R4, donc je sais pas non plus ce qu'il veut, en espérant encore une fois lui choper du bon. Donc c'est parti. On a vu qu'en mutant, il y aurait voilà des Colossus, des Archangel à monter 6R4. Donc à voir. Et donc on va choper. Je pense que c'est pas ouf. Il a déjà 6R4 virtuose. Je sais pas s'il y a d'autres virtuoses à monter. On va voir ça. Virtuose 6 étoiles. Ouais, il y aurait peut-être Spider-Man. Je sais pas s'il va vouloir le monter. Shang-Chi, très très bon champion. Système 1, moi je le prends, mais je sais pas si lui il va le faire. Donc vous voyez qu'il est 6R3 en plus. À voir, ça va être lui qui va décider. Mais très 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 déçu. Je pense pas que ce serait un virtuose qu'il aurait voulu. Peut-être une autre classe, voilà, comme mutant qu'on a pu voir, où est-ce qu'il y a de très, très top champions. Il y a Colossus, Archangel, Kitty Pryde, Apocalypse. Science, ouais, peut-être la chose, ou Spider-Ham. Cosmic, ouais, CGR peut-être, KPMCU. Tech, bah Ghost, je sais qu'il aime beaucoup Ghost, et puis bah Mystique. Je ne pense pas qu'il aurait quelque chose en Mystique. Donc ouais, je pense que Mutant ou Tech aurait été la bonne classe. Malheureusement, bah il n'a pas eu la bonne classe.
Enfin, on lui a pas chopé la bonne classe. Donc voilà, donc on va être parti pour la gemme, enfin pour les cristaux 6 On étoiles. se retrouve pour les cristaux 6 étoiles. Donc là, je suis dans le mauvais truc. Donc voilà, les cristaux 6 étoiles. Donc on va lui ouvrir 5 basiques et puis 2 featured. Donc je sais pas du tout ce qu'il cherche dans les cristaux. D'habitude, il me dit souvent ce qu'il cherche. Bah là, il m'a pas dit ce qu'il cherche. Donc on va voir ça bah, dans le tirage, si c'est des bons tirages. Donc c'est parti. Donc premier cristal. Donc déjà, premier perso qu'on a vu en bas, c'est la torche. À voir si ça va être, à voir si ça va être un succès ce tirage-là. Donc premier cristal sur 5, on aura et bah Bishop. Donc ça peut peut-être être un perso qui va servir pour sa gemme de 603 qu'on lui a chopé quelques minutes avant. Donc je rappelle qu'il a chopé une gemme 603 mutante. Donc peut-être qu'il va vouloir monter Bishop. Deuxième cristal, est-ce qu'on va avoir un tirage au niveau de Bishop, voire mieux? C'est ce qu'on va voir. On clique et qu'est-ce qu'on aura dans ce cristal? Et ben, je pense que c'est l'éveil de son la chose. Est-ce que c'est l'éveil ou un double? Ah, ça, il passe à 100, donc je pensais que ça allait être un éveil, mais non. Ça peut toujours être bien d'avoir la chose à plus haute compétence, mais bah, ça reste pas un tirage incroyable non plus. Donc, troisième cristal. On va dire que ça passe, mais c'est pas quelque chose qu'on voulait. On voulait vraiment du nouveau ou un éveil. Donc, prochain cristal, troisième cristal, on appuie, et qu'est-ce qu'on aura? Pour l'instant, ça va, c'est pas mauvais comme tirage. Oh, le petit Strife qui va bien aller avec Apocalypse, qui l'a 603, je rappelle. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, je rappelle, comme je l'ai dit, qu'il a Apocalypse 603. Donc, très très bien, Strife. Très très bon champion, surtout avec Apocalypse. Donc, très content. Ça peut peut-être être, encore une fois, un champion qui va vouloir monter avec la gemme de 603 qu'on lui a chopé. Il y a quelques minutes. Donc voilà. Moi je montrerai Strife, mais peut-être qu'il va préférer Bishop. On ne sait jamais. On clique et qu'est-ce qu'on aura dans ce cristal? Et bah. Est-ce que c'est un éveil de CGR? Et bah ouais, très très bon opening. Ah bah non, il passe à 80, c'est un peu moins ouf. Sachant que son éveil est pas si. C'est un bon éveil, ça va, c'est GR, mais c'est pas un éveil qui va changer le perso. Donc voilà. Et même, je pense que même le montant en compétence, je pense pas que ça a même changé quelque chose à son éveil même. Donc voilà. Ça reste quand même énorme, c'est GR, mais pour son compte, ça n'a rien changé de spécial. Et donc, dernier cristal 6 étoiles. Pour l'instant, on a eu que des bons champions, mais est-ce que c'est des bons champions pour améliorer son roster? La plupart oui, comme Apocalypse, comme Strife ou Monsieur Bishop. Donc là on a un éveil de Monsieur Mangog. Donc j'ai failli oublier son nom. Donc Mangog qui est très très top, notamment en défense de Battlegrounds ou en synergie avec Crossbones. Je sais pas si lui va l'aimer. Moi j'aurais bien aimé avoir ce tirage-là. Donc voilà. Donc franchement, tirage très 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 intéressant. Hein. Je pense que les deux nouveaux qu'on lui a chopés, ça reste quand même très intéressant. Si ça avait été moi, j'aurais bien aimé avoir Mangog. On augmente quand même la compétence de la chose qui lui donne la protection qu'il gagne dans les combats. Donc ça peut être mieux pour lui. Par contre, CGR, c'est un très très bon champion, hein, mais le monter en compétence, c'est pas non plus extraordinaire. Je dis pas non à un éveil, mais. Le montant en compétence, ça va rien changer. Donc, on va passer aux features cette fois-ci. Est-ce qu'on va avoir autant de chances dans les features? Donc, je ne sais pas ce qu'il cherche vraiment dans les features. Je ne sais pas qui il a. De ce que j'ai vu, il a aucun des 6 features. Donc, ça serait top de lui en choper au moins un. Donc, voilà. Donc, on est parti. Donc, premier cristal featured. Donc, en espérant lui choper un des 6. Donc, voilà. Donc on va passer au Méga Sentinelle, Wong, Uclean. Là, je vais pas dire le mot en français, mais Black Cat. Donc voilà.
Est-ce qu'on va lui choper du bon dans le premier cristal? À côté de Scorpion, donc Howard the Duck, qui a été rework, qui est pas mal de pulsions au rework, mais c'est pas non plus du ouf. Je sais pas si lui va l'aimer. En tout cas, c'est un éveil. Donc je dis pas non, un éveil. Si ça avait été un double, j'aurais peut-être un peu moins aimé. Mais en tout cas, c'est son compte. C'est à lui de nous dire s'il va aimer ce tirage-là. Et donc, dernier cristal featured, 6 étoiles. En espérant vraiment lui choper un featured. Est-ce qu'on va lui choper ça? On appuie sur le cristal et qu'est-ce qu'on aura? Et ben on aura Ultline, donc un des features, donc vraiment très très top. Donc je sais pas s'il va l'aimer, mais en tout cas Ultline c'est vraiment top. Donc je m'attendais à Black Cat, mais Ultline c'est top aussi. Donc vraiment très très bon opening. À part la gemme de Sir Cat, je sais pas s'il aurait voulu avoir du Virtuose malheureusement, mais en tout cas très très bon opening. Est-ce qu'il y a autre chose à ouvrir? Je sais pas s'il y a d'autres choses à ouvrir. En tout cas, il m'a pas dit d'ouvrir autre chose. Il m'a juste énuméré cette liste-là. En tout cas, tout à l'heure, j'avais vu une gemme, voilà, 6 étoiles. À lui de voir s'il va l'ouvrir. Moi, il m'a pas dit de l'ouvrir, donc on va lui la laisser. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet opening-là. Donc, la gemme de 6 étoiles qui va beaucoup lui l'aider. Donc, à monter un nouveau mutant pour être en synergie, soit avec, je pense que Bishop est une synergie avec Kitty Pryde, si je me souviens bien. À voir. Il a beaucoup de synergie. Est-ce qu'il en a une avec Kitty Pryde? Non, il n'en a pas une avec Kitty Pryde, mais en tout cas, Bishop, c'est un très très bon champion. Strife, pour moi, c'est mieux. Donc, Strife, il va être en synergie avec Apocalypse. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas Larus. Je vous souhaite à tous bon game et ciao!